おい、おい、しっかりしろ。お前か、助かった。もう見捨てられたかと思ったよ。多分出口はこっちだ。ルーカスは最高野郎だ。あの化け物よりも立ちが悪い。早くここを出ないと。こっちだ。こっちから抜け出せるぞ。何なんだ、何だ。おい、どうなってる。クソ、ダッシュ、頼む、外してくれ。やめろ。お前はどうか知らねえが、そろそろお遊びには飽きてきたぞ、クリス。部下が死んだ。お前のせいで3人も死んだんだ。だが、それも俺がここで終わらせる。悪いが無理だ。もうすぐ4人目の死人が出るからな。お前は死ぬ。ここで任務をしくじって死ぬ。本部、まずいことになった。対応中です。中央空洞まで戻って指示を待ってください。ああ、それはどこにある。鉱山作業場の資材置き場へ。赤いシャッターの先です。窒素はその奥にあります。
止まった。溶けた再起動する前に外して。あれ。大丈夫ですか？ああ、平気だ。心配ない。あとはルーカスか。覚悟してろよ。シールドマシンの裏に空間があるようです。やつはそこに？ええ、おそらく。調査に向かってください。了解。
これはまだ生きてたとはな。さすがだよ、クリス。なかなかやるじゃねえか。でも勝った気になるのは早いぞ。まだこれからだ。Je t'aime pas, Cartman. こんなとこで死ねるか。
par là. Là ? Pas par là ? Faut par quoi là ? Ah, peut-être par là. Ah, c'est là. Hazusez son arc. Allez, vas-y. Oh putain. Oh putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Vas-y, on court. Enfin, on rampe. Plutôt. Bon, ben, on a survécu. Faut voir les côtés positifs. Laboratoire. Ah tiens, le labo. On a une autre partie du labo. D'accord. Bon bah nous on y va. Ah non, en fait, il y a beaucoup d'action hein, dans celui-là. Ouais, on ouvre ça comment? Non? Ok. Bonjour. D'accord. Donc là, on est dans un laboratoire. Ça change un peu niveau gueule par rapport aux mines. Bon. Bon, par contre, là, ça rappelle du Resident Evil, hein. Là, je sais pas vous. Faut que j'aille où, là? Oh, je déteste ces phases-là. C'est les phases où je sais pas où il faut que j'aille. Ah, c'est horrible de l'autre côté. Non, parce que c'est le genre de phase où j'ai tendance à rater des trucs secondaires, parce que, ben, c'est pas clair, l'endroit où il faut aller, principalement. N'empêche, putain, il y a un labo comme ça dans les mines. Ah ouais, ça, c'est du. C'est, ça, ça rappelle du Umbrella tout craché, ça. C'est spécialiste hein, pour faire ça. Salle d'observation. Ok, ça, c'est les petites bêtes. Ça, c'est les grosses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ça, c'est les autres. Ouais, sympa le labo, et il est pour Lucas tout seul quoi, le mec il a tout ça, c'est ça? Non, c'est chelou hein. Quoi? Oh merde, j'ai cru qu'il était direct sur les munitions, merde. Bonjour. Alors, il y a un intérêt à venir ici pour récupérer des munitions que je viens juste d'utiliser. Non, c'est bon, hein, c'est pas débile non plus. Oh. Bah tiens, ça nous rappelle quelque chose. Bonjour. Ça nous rappelle quelque chose, ça. Bonjour, Evie. Bonjour, Mia. Que de souvenirs. Rapport sur le truc, ok, le 22 juillet, 16 états de santé, état mental bon, sécrétion de mutation normale, aucun changement si vous voulez dire, elle passe son temps à jouer à la poupée, à transformer deux gars en micomorphes aujourd'hui. D'accord, état de santé, tout, fatigue, santé mentale, légèrement stressée, sécrétion, plus d'habitude. Après avoir joué à la balle avec Copa, elle a commencé à se plaindre d'être fatiguée, elle a changé un gars en micomorphe colosse. Ça tentait mauvais, ouais, on sait. Vieillissement prématuré, la vie, tout d'un coup, elle a perdu son passé, je veux commencer à tomber à total. Plus à crier et plus à vomir, le sous-sol est salement contaminé, aucune cause apparente de ce vieillissement, je vais demander plus d'instructions.
Rapport faible mais stable, déprimé, incohérente, stable, vieillissement ralenti, sans plus de ça. La compagnie nous a envoyé la négrosée pour l'utiliser si elle devient en contrôle. Et moi qui pensais être bizarre. Donc Lucas, il l'a étudié dans le coin. Ok. Et elle a rien remarqué, oui. Non, je sais pas. Bizarre. C'est chelou. Ah, ça fait bizarre quand même, Lucas. Et... je suis en train d'imaginer Lucas quand même tout seul dans ces trucs là. Ça fait bizarre à penser. Alors encore le labo qu'on voyait dans Resident Evil 7, la petite partie, là je me disais, ah encore là ça va, mais là carrément on découvre qu'il y a carrément un super gigant test laboratoire. Toi je m'en doutais que t'allais te réveiller. Voilà, couché. Mission de pistolet. Grenade. Alors les autres grenades, je pense que je les utiliserai pas, hein, vu que je sais pas du tout comment les utiliser. J'en ai ma claque de celui-là. Ils viennent de lui donner mon poste à la tête des recherches. Pour qu'ils me prennent. Pourquoi est-ce que moi, diplômé de santé en microbiologie, je dois travailler sur les ordres de la beauté? Tout ce qu'il fait, c'est jouer avec les cobayes en faisant se battre entre eux et réaliser des autopsies juste pour le plaisir. Ce type est malade, il recule potentiel. Je vais parler. Ah ouais, non, c'est encore pire. Non, ça va, il était pas tout seul ici. D'accord. Et comment ils ont fait pour pas se faire remarquer par Evie tous? Je me pose plein de questions, scénaristiquement, du scénario là. Ah ouais, je me pose plein de questions là. Il y a intérêt à avoir les réponses. Il n'y a pas de courant, ok. Lucas. Si je tire, il m'entend ? Mais non, on va faire Hitman, on va pas se faire repérer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ça c'est pour le courant. On a rien d'autre. D'accord. Et ils sont passés où les autres chercheurs? Ils sont tous morts? Ouais, non bien. Nous on a fait le. Salam alaikum! Malaikum salam! Mais putain, allez, vas-y! Oh putain! Grenade incendiaire. Envoyez le. Attends, qualité. J'ai eu un petit abri, ça y est, à faire régler, je vais envoyer le matin, ça devrait pas prendre longtemps une fois que ce sera là, je veux être de vous. Ouais, j'aime bien le mec, il a pas eu le temps de finir. Alors, ouais, le document, on sauvegarde. Il y avait que deux sauvegardes quand même dans ce truc. Hein. Allez, vas-y, on sauvegarde. Moi, je ramasse juste les trucs. Ouais, le crochet. Ah, enfin, hein. Quand même. Hein. Ok. Rien d'autre. J'ai tué tous les chercheurs des connexions. Ok, bah voilà, on a expliqué. Mais ils sont où les cadavres? Ils avaient tendance à mettre leur nez là où il faut pas dès que j'avais le dos tourné. Est-ce qu'ils pensaient vraiment me la faire à l'envers? Bon, j'imagine qu'ils aimaient pas être sous mes ordres. Bon, je les ai foutus en cage avec quelques mycomorphes, ils se sont chiés dessus, ils m'ont supplié de les épargner, j'espère. Juste que je vais être capable de garder mon sérieux quand je devrais rapporter leur mort accidentelle. C'est sûrement le bon moment pour couper les ponts avec les connexions, je suis seul à pouvoir vraiment profiter de la moisissure d'Evelyn. D'accord. C'était sympa, hein, n'empêche. Et c'est pour ça qu'il a fait son petit labo personnel. Bon, par contre, grenade. Vous savez, moi j'envoie les grenades hein, dans ce genre de truc. Hein. Moi je suis comme ça. Bonjour, cartouche de fusil, merci, c'est gentil. Hey, Luca! T'es où, Luca? Où qu'il est? エブリンのことを知りてえやつは山ほどいるんだ。山ほどな。お友達のコネクションは知ってるのか？やつらが許すとは思えんがな。知った口聞くんじゃねえ。これは俺の問題だ。おめえは自分の心配だけしてろ。Tu vas vendre à l'autre, Ambrella? J'ai plus assez de place dans l'inventaire.
Ouais, ben le crochet, je m'en bats les couilles, hein, à moins que vraiment il y ait un endroit où l'utiliser. Eh, j'ai pas le droit de fouiller ou ça se passe comment? Putain, moi qui voulais fouiller Pépère. Chris recule. Ouais, mais Chris recule. Ok, le mec il recule pas quoi. Ouais, dis le mec qui reste sur le mec en train de se métamorphoser, hein. Tu te fous un peu de notre gueule, Chris, hein. Non mais qu'est-ce qu'il y a? C'est chaleureux de toucher sa substance visqueuse. Mais bref, moi j'avais pas fini de fouiller, merde. Et j'étais en train de fouiller. Bon alors les grenades, c'est ça que je veux. Putain, c'est où? Moi j'étais en train de fouiller justement. Sauf qu'on m'en a pas laissé le temps. Bonjour. On peut pas faire le truc. Eh, tu peux me laisser ton ordi, ok. Vas-y. Meurs, pourriture communiste. Bon, allez, vas-y, les grenades. Oh putain, vas-y, on court! Ah, ça, c'est du combat de boss qu'on a l'habitude dans Resident Evil. Avec le putain de point faible. Cette fois-ci, c'est la tête. Pour une fois, c'est pas le cœur. Bonjour. Oui, oui, je sais qu'il faut que je vise ta tête. Pas besoin de me le dire. Comment ça ira? Oh putain. Et la station... Ah, c'est là-bas. Oh putain. Ah, cette fois-ci c'est le cœur, voilà. Là on rentre plus un peu à un truc traditionnel, hein. Le cœur. Eh, tâte de mon pistolet Albert Wesker, hein. Albert Wesker, c'est plus fort que toi. Vas-y. Allez, vas-y. Albert Wesker, comme j'ai dit, c'est plus fort que toi. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Et crois bien que ça m'emmerde, hein. Bon là il se protège. Oui ben si le truc il... le truc il prend son temps ou ça se passe comment? Ouais mais... Le truc il veut pas. Mais allez, putain! Je vais mourir! Bon, vas-y, on se retrouve, là. Ouais, je sais que je dois faire attention. Bon, vas-y. Ah, putain. Ouais, bon, alors, il faut prier pour qu'il y ait une autre station d'oxygène. Oh putain.
Ouais. Bon, je devine qu'il doit y en avoir d'autres. Voilà, c'est bon, il y en a d'autres. Ils n'ont pas non plus été super bâtards. D'accord, bonjour toi. T'es là. T'es déjà mort? J'ai même pas eu... Oh, vas-y, je vais l'utiliser quand même. Le mec. Game over, là. Comme il rigole. Bah maintenant il rigole plus. Je rentre à ma maison. Ça, c'est ma famille. Allez putain! Et le remplaçant de Pierce, il est où? Je veux me le taper. Et voilà, c'est la fin de ce super DLC. J'espère que ça vous aura plu. Resident Evil bâton V bâton bâton. Biohazard. Difficulté facile, temps de jeu 1h23, donc ce sera sûrement deux vidéos. Mission accomplie, pièce antique 7 sur 10. Partie recommencer 3, fichier 8 sur 9. Oh, j'ai raté un fichier, celle-là je suis dégoûté. Accès au coffre, attaque parée, objet utilisé, stabilisateur, ok. Mode difficulté professionnelle. Je suis bon. Bon, bah, il était sympa ce truc. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se voit prochainement pour d'autres vidéos. Dès que j'ai les autres DLC, je vous les fais. Et on va se marrer. Je suis content d'avoir fait celui de Chris. Ouais, il était sympa. Mais honnêtement, c'est peut-être le personnage que j'avais le moins envie d'incarner, Chris. Même s'il est moins biscotto que dans les autres, c'est quand même Chris. Hein. Je préfère Léon. Mais après, Chris, il est sympa, mais je préfère quand même Léon. Bye les gens.